Nous pourrions prendre l'ancienne route qui relie Omi au fort de Kaminodake. Le problème, ce sont les Mongols. Tu auras besoin d'aide pour t'en défaire. Je connais des chasseurs installés sur le mont Sago. Leur chef s'appelle Takeshi. Un ami à toi ? Non, mais il fera ce que je lui demanderai. Et ces hommes sont de bons archers. Je traverserai le château de ton oncle pendant que tu les rencontres, pour rejoindre nos amis à Omi. Prends le commandement et attaquez le fort par le sud. Je frapperai par le nord avec tes amis chasseurs. Ça pourrait marcher ? Oui. Sois très prudente. Toi aussi. Venez donc vous battre! Cette arme de siège.
Ici! Venez vous battre! Adieu, mon frère. Vite ! Vous serez bientôt libre. Vous m'avez sauvé la vie, Seigneur Sakai. Je ne croirai jamais les terribles rumeurs qui courent à votre... Je vous dois la vie. Les Mongols m'ont repéré sur la route en contrebas du fort, sur l'éperon rocheux. De là-bas, ils ont vu sur toute la vallée. Je les empêcherai de nuire. Bienvenue à notre feu de camp, monseigneur. Vous êtes Takeshi ? Vous connaissez mon nom ? Je suis Jin Sakai. Yuna m'envoie. Elle est en vie ?
Où est-elle? Les Mongols bloquent l'accès à Omi. Il me faut des renforts pour ouvrir la voie. Yuna dit que vous m'aiderez. Ça a l'air risqué. Vous êtes pourtant un grand chasseur, à la tête des meilleurs archers de la préfecture. C'est ce que Yuna vous a dit? Elle pense que vous êtes prêt à vous battre. Se trompe-t-elle? Sur mon compte? Non. Mais mes hommes ne risqueront pas leur vie pour rien. L'hiver promet d'être rude. Vous pourriez le passer dans la montagne à chasser l'écureuil, ou au chaud, dans une forteresse. Pour un toit jusqu'au printemps, d'accord. Marché conclu. Ce ne sera pas une simple chasse aux sangliers. Venez ici et vous verrez. Des archers mongols gardent la porte. Des patrouilles vont et viennent sans cesse. Si on réussit à entrer par ce côté, Yuna et le reste de mes alliés les attaqueront par le sud. Yuna sera là? D'accord. Le fort a été bâti contre les falaises. Ça peut aider pour s'infiltrer à l'intérieur. Le camp de bûcherons. Ils ont fourni le bois du fort. Je n'y ai vu personne depuis l'arrivée des Mongols. Est-ce que vous savez grimper? Mieux que vous ne pensez. Ici! Non.
Chiharu. Jusqu'ici nous a pris des heures. Si nous restons là plus longtemps, les Mongols vont nous repérer. Éloignez-vous du bord. Je monte tout de suite. Mais bien sûr. Vous avez vu ça? Si. Yuna a des amis très intéressants. Planifions notre attaque. D'ici, on peut voir à l'intérieur. Depuis la crête, les archers auront une bonne vue sur la cour. Et une pléthore de cibles. Plaçons-y le plus gros de nos hommes. On va grimper sur ce toit. Contrôlez les hauteurs. Je crois entendre Yuna. C'est un bon professeur. Vous, avec moi. Les autres, en position. Si un ennemi nous voit, éliminez-le. Entendu. Bonne chance. Get out!
Benny. Espèce d'animal ferait ça? Les Mongols. Les bûcherons ont dû leur résister. Tuons tous les chiens qui se trouvent ici. Une autre patrouille. On les attaquera une fois qu'ils seront entrés. Cachez-vous. Vous avez entendu? Allez! Ouvrez le feu à mon signal. Laissez-les s'approcher. Maintenant, tuez-les tous! Shimura veut combattre les Mongols d'une manière qui n'est... Ça venait de la porte sud. Bon, allons voir ça. Par ici. Yuna! C'était elle? Il faut qu'on les rejoigne. Allons voir au pont. Les Mongols ont envoyé le gros de leurs forces ici. C'est notre chance. Si on charge par le pont, nous aurons rapidement affaire à ce Wacha. Pouvez-vous passer sous le pont avec votre grappin et prendre le Wacha par surprise? Je pourrais m'accrocher à l'arbre pour traverser. La paroi de l'autre côté permet de monter. S'ils vous repèrent, nous les abattrons de nos flèches. Traversez en chargeant ou discrètement. Les deux sont risqués. Le choix vous revient, Seigneur Sakai. Que vos hommes se tiennent prêts. Negumbel.
Arvo, suivez-le. Termund va estar là. Des renforts en approche. Allons aider mes amis à la porte. Voilà. Ils ont amené des amis de Yarikawa. Battez-vous! Te voilà, enfin! Ne vous approchez pas, ils vont me voir! Sois prudent, Kenji! J'essaie! Éloignez-vous! Vous auriez dû attendre qu'on ouvre la porte! C'était l'idée de Masako! Pour le fantôme! Le fantôme! Seigneur Saka, vous arrivez au bon moment! Ne te relâche pas, Norio! Combien de Mongols reste-t-il ? Seulement cela. Alors finissons-en. Il s'en est fallu de peu. Le fort est à nous, monseigneur. Est-ce que tout le monde va bien ? On ne peut mieux. Enfin, façon de parler. Heureux de vous revoir, Seigneur Sakai. Il fait partout aussi froid en montagne. Tu t'y habitueras. Prenez tout ce qu'il vous faut, puis préparez-vous à partir pour Jogaku. Alors, toi et Takeshi ? C'était une autre vie. Lui et ses hommes ne sont pas que des chasseurs, n'est-ce pas ? C'est une question de point de vue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester et garder le passage. Mais je refuse que des bandits s'en prennent aux innocents qui voudront échapper aux Mongols. Takeshi aurait affaire à moi, et il le sait. Je crois qu'il était impatient de te revoir. Il m'a vu. On peut partir. Rassemblons-nous à Jogaku. Nous y planifierons notre ultime attaque. La dernière heure du Khan a sonné.